Moi, t'es l'autre, quand t'es pas correct. Ladies and gentlemen, we are starting. Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre session suivante. Debate on the ICT Development Index. Nous allons poursuivre notre travaux sur les indicateurs d'éthique. Nous demandons Monsieur Cosma Zavazava d'assurer la présidence de la session. Please, Mr. Zavazava, to moderate the session. So, welcome back, ladies and gentlemen. On a changé un peu le programme parce que donc on a dépassé nos délais de temps. Et donc, on va terminer vers 12h30, si on le pourra. Donc, chaque intervenant a 3 minutes, parce qu'on aura des discussions à la suivante, plus ultérieurement. Et donc, on a d'autres questions à traiter. Donc, je voudrais présenter M. Kim. Il serait donc M. Kim qui vient de Corée et qui va discuter avec nous les questions d'éthique en se focalisant sur le fait comment son pays avance dans cette direction et pourquoi son pays a tant de succès dans cette direction. Et ensuite, vous avez le représentant du gouvernement d'Égypte. Qui participe beaucoup dans la question des statistiques, travaille sur les statistiques et va parler de la politique, comment et nous dire comment l'Égypte gère les questions d'environnement et comment. Encore un intervenant. C'est le monsieur qui est le président de. Conseil de comité, de conseil de communication de Jordanie, et qui va parler des régulations. Donc, un des piliers qui devrait faire avancer la Cisjordanie. Et donc, elle va nous partager les idées, comment, quelle direction le pays va travailler. Ensuite, il y a l'intervenant. À gauche, nous avons le représentant et notre représentant. Nous allons lui poser les questions. Comment ils ont pu de faire des progrès dans leur pays en ce sens-là. C'est pourquoi je voudrais passer la parole au représentant de notre présidium. Je voudrais également remercier Monsieur le Consul qui représente le ministère des Affaires étrangères du Danemark et qui est également le consul d'honneur en Géorgie. Nous allons lui poser la question. Comment est-ce que le Danemark a pu arriver à un progrès en matière d'éthique? Nous avons déjà parlé, nous avons entendu les vice-ministres qui avait parlé sur les innovations, qui est très importante, c'est une direction très importante. Et M. Irakli Khachibadze est justement le représentant et le chef de l'Agence de développement et des technologies. Maintenant, on va passer justement aux présentations.
Cette session est ouverte. Le représentant du Danemark va commencer justement l'examen de ces questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier tous de m'avoir donné la possibilité d'assister à ce forum. Je le fais, nous le faisons il y a assez longtemps. Et si vous voyez, si vous regardez les écouteurs, les installations, les outils que nous utilisons, que les interprètes utilisent, ce sont justement les appareils qui ont été fabriqués au Danemark. Par conséquent, ces secteurs se développent assez rapidement, d'une façon assez dynamique, ainsi que la gestion électronique devient une des tendances principales. Ce qui est provoqué justement par le fait que nous avons tous accès au Danemark. Tout le monde a la possibilité d'avoir accès à des outils, à des installations qui sont utilisées en matière d'éthique. Les paiements, par exemple, sans aucune relation avec le fisc. Les transactions financières en ligne, ça c'est possible. Sans sortir de la maison, nous avons pu arriver à un partenariat avec le secteur public et nos citoyens, le citoyen du Danemark, ont un système standard qui est très bien utilisé, qui est très facile à être utilisé. Et avant d'y arriver, nous avons essayé de parvenir à un consensus politique large, ce qui avait justement stimulé le développement rapide et la croissance rapide. Comme je l'ai déjà signalé, nous avons un large accès. Environ 95 ou 96% de la population du Danemark ont accès à l'Internet. Et vous pensez que par exemple, le volume du pays, compte tenu du volume du pays. Est-ce que ça peut s'expliquer par le volume du pays? Oui, peut-être ça c'est peut-être plus facile d'effectuer ces mesures dans un petit pays, d'implanter ce système dans un pays petit, dans un petit pays. Et c'est un argument assez facile, je pense. Le produit intérieur brut en croissance, l'évaluation de ces indicateurs, on peut voir, on peut faire les calculs à partir de ces données, la nécessité qui existe dans le pays. C'est justement l'essentiel, le principal sur lequel nous devons mettre l'accent. Et c'est après la constatation des besoins, la constatation des exigences de la population qu'on pourrait assurer le service, qu'on pourrait ensuite fournir les offres. Voilà, c'est ça qui est une force motrice pour le développement et pas, par exemple, le volume du pays. Ce que vous dites, c'est ce que vous dites, par exemple, et c'est ce qui se passe en Corée du Nord. C'était un cas particulier, c'était une occasion particulière. Et est-ce que vous pourrez nous faire part de votre secret? Comment est-ce que vous y êtes arrivé dans votre pays? Merci beaucoup. Monsieur Zavazava, pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, de faire partie du Présidium. Et permettez-moi de vous dire en quelques mots la politique, de vous parler de la politique de TIC en Corée.
La force motrice de l'économie de la Corée était toujours les technologies de l'information et des communications. Dans les années 70-80, ce processus avait été commencé. À l'époque, bien évidemment, on n'avait pas assez de moyens financiers. Cependant, nous avons essayé d'utiliser la conception de l'équilibre. C'était une conception largement utilisée dans de différentes directions, dans de différents sens, dans la construction mécanique, dans l'électronique, dans les technologies des pointes et dans d'autres, ainsi que dans des semi-conducteurs. La Corée. La Corée a connu beaucoup de crises. Par exemple, la crise globale de 2008 et compte tenu de ce qui avait été dit, les technologies, l'industrie d'éthique a démontré qu'il était une force motrice, une industrie motrice pour l'économie de notre pays, ce qui nous aidait à résoudre les situations de crise, les situations problématiques. Et la part d'éthique dans l'économie de notre pays était assez élevée, à environ 9%. Et malgré le fait qu'il y avait des déficits dans d'autres domaines de l'industrie, l'industrie d'éthique n'a pas connu ce déficit. Nous étions en constante croissance. Environ 89 milliards de dollars ont été justement gagnés et ont été justement versés dans l'économie de notre pays et 84 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires était assez élevé. L'éthique constitue pour nous l'industrie des télécommunications et ça, c'est une industrie, une branche la plus importante, un secteur le plus important. Comme vous savez déjà, dans le Corée du Sud, nous n'avons pas de matières premières et la politique. Nous n'avons pas de pétrole et par conséquent, la politique est bien adaptée aux besoins et bien adaptée au développement des technologies. Ça se passe en partenariat avec les milieux scientifiques, avec les institutions privées, avec les institutions publiques, bien évidemment. Notre équipe. En collaboration avec les milieux scientifiques, nous travaillons sur la statistique. Nous avons des entreprises d'éthique et chaque année, environ 5 000 entreprises spécialisées dans les technologies des pointes sont mises en place dans notre pays. Par conséquent, les importations et les exportations sont impressionnantes. Et nous, dans la mesure du possible, nous collectons ces informations, nous communiquons ces informations au gouvernement, nous faisons des publications. Environ 2% des emplois ont été justement créés dans le domaine d'éthique. La capacité des Internet, des gigas Internet, sont prévues pour l'année 2017, qui serait très, très ultra rapide. Très rapide, ultra rapide, où nous allons regrouper les projets d'infrastructure et d'autres projets également. Où il y aurait également une communication mobile commerciale. Nous allons y arriver avant l'an 2020 pour les Jeux olympiques d'hiver 2018 seront tenus à 100 km de Séoul. Et pendant les Jeux olympiques d'hiver, nous allons utiliser les 5G. Nous allons essayer d'arriver à cette structure et nous serons prêts à montrer
à démontrer et à montrer cette cinquième génération, le système de cette cinquième génération. Ça, c'est mon point de vue subjectif. Ce n'est pas, bien sûr, une promesse officielle, comme Suzanne a signalé. Vers l'année 2000, nous devons terminer le projet 2020 et la Corée va rejoindre cette conception, ces mouvements, car nous estimons que ce secteur sont soutenus par la communauté globale et nous envisageons d'avancer dans cette direction et soutenir les autres pays membres. Merci, merci à vous. Merci de votre présentation pour cette présentation concernant avait mentionné que la Corée essaie tout faire pour augmenter le potentiel intellectuel du pays et aujourd'hui on voit qu'effectivement l'accès s'est élargi. De votre développement est à un niveau où la population peut vraiment avoir les avantages des différents processus. Et en s'appuyant sur votre recherche, nous pouvons donner le pronostic que nous, les représentants des pays en voie de développement, on apprend sur vos exemples, sur votre expérience, et on voudrait que les technologies que vous avez créées soient utilisées chez nous dans les différents secteurs, et par exemple dans l'agriculture, dans les différents projets. Avec votre aide, avec votre soutien, dans des différentes directions, on pourrait créer les possibilités pour vraiment renforcer les institutions et nous vous en sommes très reconnaissants. Permettez-moi de passer au représentant de l'Égypte. Nous savons que il y a beaucoup de choses qui se passent en Égypte dans cette direction et on voudrait vous demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour, partant du fait que l'Égypte se développe d'une manière intense. Merci de cette possibilité. Merci. Je voudrais parler de plusieurs stratégies durant les dernières décennies ont été pratiquées chez nous. On commence. Il y a déjà un moment, l'Égypte avait créé avec succès l'infrastructure dans le domaine de TIC et avait créé des législations essentielles et des régulations essentielles grâce à ce projet informatique concernant les sociétés informatiques, ce qui nous a aidé de développer l'éthique sur les différents secteurs et pour que ceci nous aide à soutenir la production, l'industrie. Et on est devenu le diffuseur de services, le fournisseur de services. Suite à la révolution, ceci a un peu stoppé notre économie. Mais l'éthique était le secteur le plus important qui s'est chargé la part de cette baisse d'économie dans le pays. Bien sûr, nous essayons que son niveau général et son part augmentent dans l'économie depuis, mais malheureusement, environ 60% de cet indicateur a baissé durant l'année dernière. Mais au final, vers la fin juin de l'année de cette année, on a obtenu 4% de l'augmentation, c'est 3,8%.
Après le début, quand on avait commencé cette politique, cette carte routière, si vous voulez, quand l'Égypte avait de nouveau, encore une fois, a voulu revenir vers sa stabilité, nous avons évalué, élaboré une stratégie énergique de longue date. Et la première partie, c'est celle qui se concentre sur les questions de 14% de développement et l'implication vers les bandes, larges bandes. On a fait une grande attention à ce sujet. On a fait le point sur le domaine de santé et de l'éducation. On avait élaboré un système et cette année va entrer en vigueur le système unifié de licence pour l'utilisation de toutes ces possibilités. Et tout ceci sera dirigé et est déjà dirigé pour le bien-être de nos utilisateurs. L'utilisation de TIC et toutes nos perspectives ont vraiment des bons points, parce qu'ici l'utilisateur de ménage est assez élevé, parce que l'utilisation familiale est assez élevée en Égypte. Nous avons élaboré un système très pertinente pour évaluer, voir, regarder quelle est l'utilisation, quel est l'accès, et pour dans les trois années, pour développer tout ça dans les trois années à venir, on va développer la direction numérique avec l'intégration de méga projets, donc des grands projets volumineux, et nous devons mettre en place les boîtes d'enregistrement. Ça, c'est le projet pour les 4 ans à venir. Avec ceci, la production des planchettes électroniques pour nos écoles aussi est dans notre projet. Ceci va améliorer l'implication, l'intégration de TIC dans notre secteur économique. Et le premier pilier, si vous voulez, c'est l'augmentation des volumes, des capacités, et pour que ce métier, cette profession soit intégrée et couvre des différents secteurs, qu'il y ait plus d'emplois, plus de spécialistes, plus d'experts, qu'il y ait plus de programmes de formation, d'éducation dans les universités, et que l'attention soit pointée vers les savoir-faire, vers les innovations. Donc voilà, l'année prochaine, nous allons implémenter ce programme, et le parc technique aussi devrait être pris en considération, parce que ça va créer les emplois parmi notre jeunesse. Voilà, ce sont les projets pour l'avenir de l'Égypte, et nous pensons qu'avec les politiciens, même au niveau présidentiel, on pourrait atteindre donc la réalisation de ces projets. Et ceci sera va se refléter d'une manière très positive dans nos rapports concernant le développement de l'accès et de la possibilité des savoir-faire. Et dans l'avenir proche, nous allons bien sûr, nous espérons, et nous avons l'espoir d'avoir du succès dans ce domaine. Merci de votre attention. Permettez-moi de donner la parole Je voudrais, voilà, il y a à côté de moi le président, parce que monsieur le président garde sa position. C'est la tradition de pays de la production de vin, parce qu'il y a beaucoup de cépages, énormément de cépages en Géorgie, et on fait ici les études. Il existe les études concernant la patrie de cépages de vin, je pense qu'on va élaborer l'index d'élaboration de vin, voilà, en Géorgie.
Mais nous savons que la Géorgie avance bien dans la direction, dans la bonne direction. Mais si on regarde les chiffres, on peut même dire qu'il est nécessaire d'entreprendre un effort pour voir cet effet sur place, dans les écoles, dans les villages. Mais avec, grâce à Monsieur le Président, on pourrait prendre connaissance de tous ces événements. Il va nous présenter ceci. Merci. Je voudrais juste partager ce secret, pourquoi on avance d'une manière si accélérée. Et nous sommes un des pays qui se développe d'une manière très dynamique. La Géorgie a réalisé des réformes qui reflétaient notre progrès. D'après les rapports de la Banque mondiale, la Géorgie était le pays pour le développement du business. Mais aujourd'hui, la méthodologie a changé, mais on s'est déplacé de 8e place à la 13e. Mais avant d'arriver à la 8e place, nous avons effectué un très grand travail. On a fait des grands efforts pour ouvrir la Géorgie pour le monde de business, pour le monde d'affaires, et pour simplifier le système d'enregistrement des compagnies, des entreprises, et notre maison de justice que vous avez visitée. Ce sont les unités où en 15-20 minutes, vous pouvez enregistrer un accord d'affaires, obtenir un passeport, mais effectivement en quelques minutes, ou tout autre document vous pourrez vous être octroyé vraiment très, très rapidement. Tout ceci peut être payé d'une manière virtuellement et d'une manière électronique. Donc, tout ceci a simplifié les procédures. Le processus s'est accéléré d'une manière importante. Pour tout le monde, pour tous les habitants du pays, pour tous les représentants des cercles d'affaires. Tous ces projets sont impliqués aussi dans les écoles. Il y a des différents projets impliqués dans les écoles qui sont mis en place. Les enfants qui arrivent à l'école, on leur distribue les tablettes, les notebooks. Beaucoup de familles utilisent directement donc déjà des ordinateurs. On s'en sert beaucoup en Géorgie pour obtenir l'accès à l'Internet. Et je pense que ces dernières deux années, nous sommes devenus le pays le plus dynamique parce que le gouvernement avait décidé d'analyser l'UTIC et ceci est devenu une des priorités. Les priorités concernent aussi une autre chose. Pour devenir le pays développé dans le domaine de IDI, pour créer l'économie qui va se baser sur les connaissances. Les technologies et les infrastructures qu'on avait créées, les savoir-faire qui sont très importants pour le pays, la Géorgie doit créer les innovations, doit devenir le pays qui crée de nouvelles directions. Et dans l'année prochaine, on voudrait commencer le processus de certaines innovations dans le centre bibliothèque. On aura 500 centres informatiques et de bibliothèques. Grâce à ces infrastructures, les bibliothèques vont couvrir le pays et on apprend en même temps, fait le stage pour les élèves et pour les professeurs, l'utilisation des ordinateurs, l'infrastructure qui va être créée et notre gouvernement travaille dans ce projet pour soutenir la création de ce type d'infrastructure qui va se baser à l'accès direct à tous ces services
Tout ceci va augmenter la concurrence au marché et l'accès ouvert de la population envers les services informatiques. Ça va motiver, ça va stimuler les providers pour s'activer au marché. Le gouvernement géorgien continue son travail dans cette direction et on essaie de libérer le marché, instaurer une bonne concurrence sur notre marché. Dans cet objectif, on a réalisé plusieurs réformes. Certaines réformes sont toujours en cours. La commission de régulation travaille sur les licences qui ont 4 réseaux dans notre pays pour les providers. Notre objectif, notre tâche, c'est 40 000 IT spécialistes et pour les former dans l'avenir, dans le futur. C'est un projet assez ambitieux, un objectif ambitieux, mais de l'autre côté, la Biélorussie, dans cette direction, se place à la 4e position. Et quand le pays a envie, quand la volonté de suivre la voie de développement, ce pays doit toujours voir quels sont les revenus per capita, la population, quels sont les revenus et quel accès elle peut avoir aux services informatiques. Nous pensons que l'année prochaine, nous aurons déjà du succès dans le domaine ID. Merci. Merci de votre intervention. Quand le gouvernement de Géorgie avait décidé que son premier ministre, le vice-premier ministre, quand ils ont envoyé, présenté le premier ministre, vice-premier ministre était présent à notre forum pour inaugurer le forum, on avait compris que vous êtes en un lien très étroit. Ça veut dire que la société a la volonté de se développer dans cette direction. Et bien sûr que faire face à tous les défis et utiliser tous les moyens pour obtenir du progrès. Ça, c'est la stratégie, c'est... Vraiment, c'est la direction qui nous montre le développement du pays et la direction de son développement. Maintenant, on passe la parole à un autre intervenant. Merci pour cette parole. Quand il s'agit des ressources naturelles, l'Jordanie est très près du Corée. Parce que chez nous aussi, le plus grand capital dont on dispose, c'est les gens. C'est la ressource humaine comme en Corée. Alors, nous essayons de coopérer d'une manière dynamique avec la communauté internationale. La preuve qu'on est ainsi aujourd'hui tous ensemble ici, c'est ça. Et nous pensons que la politique devrait se développer en se basant sur les faits qui se réalisent dans le monde et qu'on ait plus de... possibilité d'être informé de cette fête pour développer nos pays respectifs. Les gens, utiliser les gens, utiliser notre ressource le plus important pour que les différents objectifs se réalisent et atteindre les objectifs des pays. Et bien sûr, ici, les statistiques, les moyens informatiques nous permettent de définir où nous en sommes, à quelle étape on se trouve de développement. Dans notre programme est comparé à le progrès dans le monde entier, et ensuite, ceci se met dans le base de la stratégie de la politique que notre pays effectue. L'essentiel, le base pour le secteur, pour le développement politique, c'est plusieurs indices, y compris l'analyse de IDI, de voir les failles, voir les résultats qu'on dispose
sur les IT technologies et leur développement. Et quel investissement devrait être fait pour approvisionner ce développement? Tout ceci, notre économie et son rôle, c'est entre 12 et 15% dans notre économie. Donc on a une assez bonne structure d'IT structure dans notre pays. Elle fait une bonne part dans notre économie. Et l'année prochaine, à partir du mois de janvier, nous commençons déjà le développement de réseau 4G. La pénétration mobile représente plus que 22% et nous considérons et nous en sommes sûrs que de l'autre côté, d'une manière non-stop, on pourrait réaliser et le monitoring de notre stratégie et de notre politique, parce que dans le délai de temps très court, on va atteindre les objectifs qu'on a profilés. Je veux un peu élargir le sujet. L'intervenant précédent avait dit que les investissements, on a parlé de manque d'investissement et ensuite déjà l'achat et vente des ordinateurs, la situation dans ce cadre. Nous n'avons pas besoin de régulation dans ce domaine. Je pense que nous avons besoin d'une smart régulation, si vous voulez, une régulation intelligente. On a besoin de réaliser la corrélation, l'interaction et la corrélation des services vis-à-vis de l'infrastructure dont nous disposons, et en parallèle, les investissements. De ce côté, l'initiative présentée devrait améliorer l'infrastructure, ce qui est lié étroitement avec l'amélioration des services, pour qu'au final, on atteint l'objectif pour la plus grande partie de notre population soit impliquée dans ce cadre de IT grâce aux services providers. Merci. Merci. Cela me rappelle, il y a 8 ans, nous avons eu un séminaire à Somalie et on discutait les chiffres à peu près. Durant 13 ans, on n'avait même pas le gouvernement, mais en Somalie, les utilisations ATC augmentaient tout le temps. Et de quelle régulation on a besoin? On n'a pas besoin de régulation, on n'a même pas le gouvernement. Donc, comment on pourrait avoir des régulations, des principes, instaurer les principes de régulation qui, au final, vont donc mettre dans un certain cadre la concurrence. Mais aujourd'hui, je voudrais dire que nos intervenants sont intervenus. C'est à vous maintenant si vous avez posé des questions. Si vous avez envie de poser la question. Voilà, mais il faut être bref. En se basant sur le consensus international, est-ce qu'il existe une prémisse pour créer un fonds ICT global, comme on a le fonds mondial et global pour le climat? Merci de cette question. C'est une question qui, je pense que c'est à vous de répondre, je pense. Je voudrais, en partant de deux directions, alors de quel volume le secteur a été impliqué dans vos pays respectifs? Et qu'est-ce qui vous a permis donc ces résultats aussi importants
Encore une question. On va accepter encore une question. On va revenir. Je voudrais parler concernant le premier sujet, concernant la corrélation de IDI et de la situation de pays. Voilà, ce lien, je voudrais vous poser la question. Pourquoi il s'avère que plus le pays est grand, il y a plus de problèmes qui se créent pour le gouvernement, mais aussi pour les service providers, pour présenter les services, pour créer le réseau, etc. Alors, celui-ci a besoin de grands investissements, de grands financements. Par exemple, sur l'exemple de l'Arabie Saoudite, on devrait être reconnaissant de notre gouvernement qu'ils ont étudier ce problème et on a créé un fonds assez ambitieux, c'est un service, le fonds de service universel et le gouvernement et plusieurs autres organisations se sont soutenus, se sont mis ensemble parce qu'on est un pays, donc c'est essentiellement le désert, notre pays. Et les villages, souvent, sont éloignés l'un de l'autre. Donc, pour nous, ce qui était très important, de faire un effort spécial et important. Donc, voilà. Alors, Vous êtes au courant, je pense, que concernant la convention, concernant les changements de climat, on a créé la convention là-dessus. On avait parlé des énergies sécurisées et énergies pures. On a eu des associations. On a créé le monde vert. Autour de toutes ces questions, on a beaucoup, beaucoup œuvré, beaucoup travaillé et on a reçu aussi des investissements assez importants. Bien sûr, l'idée de créer le fonds universel dans notre domaine de TIC, ça c'est une très bonne idée, mais si par exemple l'image de Namibie, bien sûr que le secteur privé est impliqué dans ces activités. Alors, qu'est-ce que peut-être le représentant de Danemark peut-être un avis à présenter? Il est clair que ça serait possible de créer ce genre de fonds, de TIC, pour donner le développement de TIC dans des différents pays de notre planète. Et il y a ici le financement, c'est une question très importante. Il y a des pays à un grand potentiel, mais pour aujourd'hui, le monde qui essentiellement est donc se réfléchit et est préoccupé sur des questions de climat. Danemark, est-ce qu'elle a ce genre de fonds? Est-ce qu'on pourrait créer ce genre de fonds, par exemple, en Danemark? Ça, je ne suis pas au courant, je ne suis pas sûre que c'est comme ça, mais comme comment cette liste de pays avancée, ce ne serait pas mal pour effectivement commencer à réfléchir pour créer ce fonds. Ce qui concerne le secteur privé, c'est la force phare qui supporte ce domaine et son développement. C'est bien le secteur privé qui crée la concurrence, qui crée les possibilités d'approvisionnement de moyens techniques. Ce qui concerne l'Internet sans fil et son développement, les opérateurs agissent d'une manière très active au marché, et concernant la fibre optique, par exemple, pour créer le réseau de fibre optique. Et notre pays n'est pas un pays grand, donc et on n'a pas des multinationales, des grandes compagnies qui opèrent sur nos marchés, mais tous qui sont représentés au marché, ils sont tous impliqués dans ce développement de ce type de marché.
Et tout ceci a une grande influence sur le développement de TIC. Je voudrais dire, c'est combiné, le secteur public et le secteur privé. Voilà, ils agissent d'une manière parallèle dans la gestion, pour la création de la gestion électorique en Géorgie. La situation est un peu différente. Si on s'approfondit, peut-être la Géorgie serait encore plus avant, avait devancé le Danemark, parce que tellement la gestion informatique est bien mise en place en Géorgie. Le représentant de Jordanie voudrait intervenir. Quand il y a le pays où l'économie commence à se développer, le secteur privé et sa participation, pas uniquement dans ce domaine, mais dans tous les domaines, est très important et décisive même, je dirais. Corée, qu'est-ce que le représentant de Corée pourrait dire concernant, on a eu l'avis de Danemark, les initiatives. La question posée par le représentant de Bangladesh, je voudrais vous répondre. Nous soutenons bien sûr les pays étrangers dans le sud-est et dans les pays d'Afrique. Ma fonction, c'est une de mes fonctions, c'est de, dans le programme de partenariat, et de gérer ces programmes de partenariat. On invite les fonctionnaires, on invite les représentants de secteur en Corée. On a des réunions de TIC, autour de TIC, et on a plusieurs programmes gouvernementaux, je dirais, en Namibie, par exemple. Le secteur privé prévalue dans ce domaine, ce qui concerne l'action, mais l'implication du gouvernement est assez limitée. Seulement les schémas, la direction politique peut-être pourrait être mise en place, mais les autres interventions de la part du gouvernement dans notre pays ne se réalisent pas. Chez nous, bien sûr, le budget, d'une certaine manière, est prévu. Il y a un plan général pour le développement de secteur, mais l'acteur, l'agent principal dans ce domaine reste quand même le secteur privé. C'est les relations de marché, c'est l'activité basée sur les règles du marché. Et 10% c'est le budget gouvernemental et 90% c'est le marché qui crée pour le développement de secteur. Ce qui concerne les cercles scientifiques, le secteur privé, le secteur gouvernemental met 25% pour le développement scientifique et le secteur privé débloque 60%. Avant de terminer notre session, je voudrais ouvrir le régime questions-réponses, mais voilà, il y a une intervenante aussi. Concernant le fonds, la création de fonds de TIC et cette idée, on a une bonne expérience en Égypte. On a créé des fonds de TIC, de type de trust, et ceci nous aide pour le développement de cette initiative. On a des différents bailleurs de fonds, dans le domaine de TIC pour élaborer les savoir-faire, par exemple, même dans les villages éloignés, on avait décidé d'impliquer dans cette affaire les jeunes, les femmes, pour qu'ils deviennent entrepreneurs, pour qu'ils obtiennent ce savoir-faire, et que le ministère de technologie informatique et communicative ont fait un projet de payer les compagnies privées pour approfondir, accélérer cette coopération, 10% pour le part du gouvernement, mais c'est parfois directement, parfois indirectement, se passe donc ça de différentes manières d'intervention. Nous sommes concentrés sur les entrepreneurs, petites entreprises, moyennes entreprises. Ce segment,
pays est grand et chaque année, la population augmente et on essaie par des différents projets, dans des différentes directions, sur tous les pays, donc voilà, couvrir par le TIC. Je pense que de certains forums, certaines rencontres sont très importantes qui permettent non seulement la possibilité de discuter des indicateurs, de observer des différents, voir des différentes expériences, des moments pratiques. Je pense qu'après le déjeuner, on va continuer à discuter comment réaliser le business partenariat. J'avais vu qu'Intel voulait intervenir. Après sur le Japon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'adresser au représentant de Jordanie pour voir. Alors, vous avez des bonnes innovations que vous avez dans votre pays. Et à quel point la régulation limite les moments de business, si vous voulez. On voudrait entendre votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Il y a un moment très important, parce que tous les pays, y compris le Japon, nous allons dans la même direction. Ce qui est très important, c'est la direction pour s'assurer la justesse et de la corrélation avec IDI. La question d'IDI est très importante pour tout le monde. On voudrait se réunir assez souvent. Le Japon voudrait faire sa part d'implication pour améliorer les IDI et pour créer de l'espace pour ICT. Pour le TIC, l'exemple, c'est les mobiles, téléphones fixes et les bandes larges. Ici, on travaille dans le DSL, ici, IT. Et à quel point l'index actuel reflète toute cette multitude et comment il couvre et il passe par tous les types de services. Est-ce que vous pouvez proposer pour chaque service bancaire des indicateurs concrets qui soient justes et sûrs? Et un commentaire supplémentaire sur le banking international. Cet indicateur est très important, mais il existe aussi un domaine où on pourrait avoir des améliorations et on voudrait justement se tenir de cette question et améliorer tous ces indicateurs. Merci, le Japon. Nous avons parlé déjà... Il y a 5 jours, on a discuté à Genève, on a discuté avec le parti japonais et lors de nos discussions, lors de notre négociation sur le GTI à notre forum, on avait parlé de cette question et on a étudié toutes ces questions avec les personnes qui représentent le GTI. Vous pouvez tous se joindre online, vous pouvez vous joindre et voir, démontrer comment vous pouvez adresser à quel groupe d'experts concernant les indicateurs de TIC. Donc vous avez toutes les possibilités entre vos mains. Vous êtes invités très chaleureusement de prendre connaissance de cette méthodologie. Merci à vous de soulever cette question. Et donc, j'exprime beaucoup d'intérêt à vous la transmettre. Donc, en regardant de près le rapport sur la mesure de la société d'information, on constate que la Tunisie a perdu quelques points pour la deuxième année consécutive. Ceci est dit au fait que, comme vous le savez,
interpretation in English. Can you just check if there is somebody? Okay. The one who is handling interpretation in English, can you hear me? Donc je dirais que. Okay, please, you, okay. You may continue. Donc je dirais que une petite information qui mérite d'être vous que je vous la communique. Donc j'ai constaté en regardant le rapport de, sur la mesure de la société d'information que la Tunisie a perdu pour la deuxième consécutive quelques points dans le ranking. Ceci est dû au fait que, comme vous le savez, que la Tunisie a connu une période de révolution. Donc, comme toute révolution, elle a des effets positifs comme elle aura avoir des effets néfastes. Donc, pour faire face à cette situation, le gouvernement tunisien a pris en compte cette situation et a pris des mesures urgentes en élaborant un plan national stratégique pour le développement de l'économie numérique. Ce plan comporte 6 orientations stratégiques qui constituent le pilier de développement de l'économie numérique. Ces piliers sont le développement davantage de l'infrastructure, l'usage, le e-business, l'e-administration et l'offshoring, surtout pour offrir beaucoup plus d'opportunités pour attirer les investisseurs étrangers. Et parmi les choses les plus urgentes auxquelles le gouvernement tunisien a engagé des actions, nous avons déjà lancé au courant de ce dernier trimestre 2014 3 enquêtes, enquête orientée vers les ménages, enquête orientée vers le business, et la première est aussi une troisième enquête qui est la première dans son genre, qui est orientée vers le e-gov. Donc ces enquêtes, on est en plein chantier. J'espère que les résultats seront prêts d'ici le premier trimestre 2015, et je souhaiterais que dans la prochaine édition de ce symposium, nous vous présentons notre démarche et les résultats de cette enquête, de ces 3 enquêtes. Et merci. Thank you very much, Tunisia, and sorry for the problem we had with the interpretation. You may also know that you don't have to wait for just the symposium. ITUD has got what we call study groups, and we bring together experts to discuss and share ideas. Vous aurez la possibilité de voir toutes ces questions. Vous allez regarder les sites web et vous allez voir les activités où vous pouvez participer et vous pourrez nous présenter votre expérience. Donc, à la dernière question. Bonjour, je vous salue. Joachim de Mozambique, je voudrais voir le suivant. La responsabilité de IDI, est-ce que c'est le secteur privé qui est responsable ou c'est pour son développement dans le pays? Est-ce que c'est le secteur privé qui en est responsable? Alors, qu'est-ce qui va devenir dans le secteur en voie de développement dans des régions où ils sont... si le gouvernement n'intervient pas d'une manière assez impliquée, donc... Comment ça se passe dans cette situation? Comment ce pays en développement intervient? Merci de vos questions. Vous êtes intervenu de manière assez bien. Et donc, vous avez une minute chacun à la présidence pour les réponses. Merci. Merci. Permettez-moi de terminer. Merci l'Union. Merci l'Union internationale, Monsieur Zavazava, Susan et les autres qui nous ont présenté toute cette présentation pour ce soutien et
je pense qu'on aura dans l'avenir aussi d'autres tentations pour avoir de bonnes solutions, de bonnes mesures pour refléter la situation réelle des affaires. Et vous êtes tous d'accord que l'éthique ont un impact sur l'économie et le secteur économique et le succès dans ces secteurs permet d'avoir de meilleurs services et ce qui augmente le niveau de vie des citoyens. Et ceci devrait se refléter sur le contenu économique de chaque pays. Et ceci... chaque pays donc travaille dans cette direction et ce domaine, notre secteur se développe. C'est ça nos attentes, c'est ça. Je sais qu'il y a le plan de réviser le IDI, de la révision du IDI, et pour voir son possibilité, c'est quelle option il nous présentera. On voudrait voir ceci comme un acquis dans l'avenir. Et comment cela pourrait soutenir l'économie. Et une des possibilités proposées est ça, c'est un des défis que nous relevons. On va revenir au représentant de Mozambique. IDI, c'est le résultat de la politique collective que le gouvernement adopte avec les autres secteurs. Et il n'y a pas de nécessité de se focaliser sur l'éthique. Par exemple, le service général va nous soutenir d'atteindre les points les plus éloignés où le gouvernement ne peut pas agir. Et bien sûr, il devrait être motivé, je ne sais pas, matériellement, peut-être, ne pas trop les imposer, peut-être. Mais quand le gouvernement investit dans les structures, ici, ce qui est très important, c'est d'avoir les priorités. Mm-hmm. Les priorités doivent être fixées. Merci, merci. Ça, c'est effectivement, ce sont des points très, très importants. Ça nous donne la possibilité de mesurer de nos démarches, nos projets, où on doit améliorer tel ou tel aspect, et que dans l'avenir, nous agissons d'une manière plus vitale, d'instaurer des différents paramètres, comment ils influencent les indexations, les index qui sont élaborés par les pays. Dans tous les cas, on serait très heureux de travailler ensemble avec l'Union internationale et les autres pays pour définir les nouvelles solutions, les nouvelles visions pour l'avenir. Pour assurer les données d'index d'une manière plus efficace, plus intelligente. On avait discuté avec M. Zavaza cette question et je pense qu'il y a un moment, parfois en procédant à l'amélioration, on demande comment le pays présente les améliorations. Quand les données sont récoltées dans le pays, on travaille d'une manière active dans le pays. On crée le procès de mesure. Corée et Danemark, vous avez une minute à vous diviser. Non, je plaisante. J'apprécie beaucoup le monsieur Savazava et les autres intervenants. Et je pense qu'il y a 5 ans, une jeune collègue m'avait dit qu'elle doit
dans le domaine de technologie. Alors, qu'est-ce que c'est IT? Qu'est-ce que c'est la fonction de IT? La première fois, j'avais pensé que... À l'époque, tout le monde n'était pas au courant, ne se représentait pas très bien qu'est-ce que c'est ce sujet. Durant ces dernières 5 années, on s'est bien familiarisé avec le sujet, on sait très bien maintenant comment ça se passe, à quel point c'est important pour le développement du pays en général, pour le progrès. Je voudrais juste remercier de l'utilisation aussi active de tout ceci. De l'autre côté, la direction de développement business de ce secteur, il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs représentants de différents de Laos, d'Afrique, de Cambodge, donc ils étaient présents à notre réunion et ils utilisent 2G, deuxième génération, ils utilisent LTG en Corée, LTL est utilisé d'une manière très efficace ce module, ce qui est en principe tout ce qui existe, les technologies qui existent sont plus avancées. Dites-moi comment trouver le pont qui va lier mon pays avec le vôtre. Merci aux représentants du Corée. Le Danemark, s'il vous plaît. J'ai 2 fonds privés et nous avons fait des grands investissements dans le domaine de TIC et je voudrais signaler donc dire merci de vos commentaires, merci des commentaires pour le pont qui devrait exister entre les pays qui veulent coopérer dans le domaine de TIC. Il y a des grandes possibilités de faire du business dans ces directions, faire des investissements. Ce qui concerne l'utilisation rurale de TIC, bien sûr, dans les aires urbaines, il y a plusieurs providers, mais dans les secteurs ruraux, il n'y a pas de providers. Et donc, ceci, c'est justement cette lacune, cet espace qu'on devrait couvrir, devrait remplir. Par exemple, dans les endroits éloignés, par exemple, les personnes disent qu'on n'a pas la possibilité. Donc, je ne suis pas d'accord. On pourrait travailler dans cette direction. Par exemple, l'Arabie Saoudite, là où se trouvent les villages, se situent l'un près de l'autre. Là où il y a des problèmes géographiques, nous devons inventer quelque chose, trouver la solution, résoudre ce problème. Par exemple, moi, si je travaille dans le domaine de TIC, je devrais utiliser ce secteur, cette direction, pour créer le potentiel plus élevé pour ce problème. Et là, il faut prendre les investissements du secteur privé. Je voudrais remercier le membre de la présidence. Je voudrais remercier tous les participants de cette séance. On va vers la clôture de notre séance. Je voudrais à 13h30 jusqu'à 14h, on a une présentation de notre collègue brésilien. On aura aussi une session, séance extérieure dans la maison de la justice. Donc, on va conclure et faire le bilan de quoi on a parlé lors de cette séance. L'essentiel, c'est de travailler de manière commune dans cette direction. Et lors du forum suivant, on aura plus d'informations qui seraient accessibles pour nous, effectivement.
Donc le forum qui aura lieu en 2015, ça sera un bon moyen pour que venir en commun à des décisions finales. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, avant-hier et lors de tout ce forum, on devrait s'échanger de notre carte de visite parce qu'on apprend. C'est une interaction, c'est un partage de l'information, de l'expérience. Tout ceci, ça serait la prémisse que dans l'avenir, notre coopération va être plus productive, plus efficace. Ce n'est pas un exercice, c'est un bon instrument pour définir en quelle direction on progresse. Est-ce qu'on est assez dynamique dans ce progrès? Certains pays sont plus dynamiques, beaucoup plus dynamiques, les autres moins dynamiques. Mais de toute façon, on travaille ensemble et je voudrais vous remercier tous pour participer d'une manière si énergétique, avec une grande énergie. Alors, je voudrais vous inviter au forum suivant. Vous aurez des questionnaires à remplir et je vais passer la parole à Monsieur le Président. Merci, Dr Zavazava. Effectivement, c'était une discussion très intéressante à la main de la présidence. Je voudrais m'adresser à vous et je voudrais dire qu'un des conseils importants qu'on a eu et qui va aider les pays dans leur développement, pour leur progrès, c'est la coopération comme au sein des pays, mais c'est la coopération entre les pays pour ça, c'est un sujet très intéressant pour atteindre un niveau élevé, pour que ça soit attirant. Nous avons le déjeuner à 2 heures, on continue notre séance et on aura la partie finale de notre forum. Et 15h moins 15, on aura quelques interventions, quelques déclarations. Merci de votre attention.